سيدي عبدي القادر افتح لي الباب اللي مقفول مو على مراكبني فيا انا شيخي ويعز عليا شيخي ويعز عليا وعلى بابا شلون يا سيدي عجل بالجاية واسمعني واسمع للجون. Donc Sabri, marhaba bik, bienvenue à Montréal encore une fois, puisque ce n'est pas votre première fois. Donc pour Sabri Mesbah est un artiste, un musicien tunisien très connu, très suivi. Fils de Slek Mesbah qui est aussi un grand artiste. Alors le fait que vous êtes né dans une famille de musiciens, une famille d'artistes, est-ce que ça a eu une influence sur votre choix de carrière? Oui, bien sûr, ça a eu une influence parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, quand j'étais jeune, j'écoutais de la musique occidentale comme mes potes et tout ça, et après, j'ai de la musique aussi traditionnelle tunisienne que je ne pouvais pas ignorer chez moi. Et voilà, mon père il répétait chez moi, chez lui, avec ses potes et tout ça. Donc il y avait toujours de la musique arabe tunisienne chez moi. Donc j'ai eu une double formation, une formation en parallèle si on peut dire ça. Parfait. Alors, petite question, vous avez sorti beaucoup de chansons qui sont très fameuses, vous êtes très connu. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui a représenté qui a marqué votre carrière ou qui était, mettons, le début de votre popularité? Oui, bien sûr, le déclic. Je dis, c'était Mincit, la chanson Mincit que Abdou a écrit. C'était sa deuxième tentative, son deuxième essai, parce que Abdou écrit en général des trucs en arabe littéraire, très littéraire pour pouvoir faire la traduction pour comprendre certains mots. Et là, il m'a dit je vais faire une tentation pour écrire une chanson. La première, c'était Mouchmelni et la deuxième, c'était Mincit. Donc, je pense que oui, Mincit, c'est la chanson qui a fait de moi maintenant. Pour vos auditeurs et tous ceux qui vous suivent, on sait que vous avez des fans à travers le monde. Est-ce que vous avez un scoop à leur donner? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un nouveau album, une nouvelle chanson, quelque chose que vous pouvez révéler et que vous n'avez pas le droit de le faire? Moi, je peux pas tout dire, mais il y aura un truc en duo avec un artiste tunisien très très connu aussi. Et j'en suis sûr certain que ça va cartonner. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir comme voilà. Ça, on peut pas essayer d'avoir le nom de l'artiste. Non, sincèrement, on attend que ça soit bien fait et tout ça, et après on en parlera. Excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas l'album, parce que c'est quand même un album très connu, est-ce que vous pouvez dire le choix du nom Aslik, qui je le rappelle en tunisien, en arabe, ça veut dire mes racines. Quel message vous voulez faire passer avec cet album-là? Pourquoi vous avez choisi ce nom qui est très significatif? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez passer à travers? Moi, je fais les choses naturellement avec le cœur, à la sensation, si on peut dire ça. Et le titre de l'album, moi, je marchais avec un ami guitariste, on parlait, et il me dit comment tu vas l'appeler l'album et tout ça. Et il dit Aslik, je vais l'appeler Aslik. Donc l'inspiration est venue. Voilà. Pourquoi Aslik? Parce que j'essayais de toucher les genres musicaux tunisiens comme la musique soufie par exemple, ou la musique malouf, la musique folklore, mezout, tu vois. Donc c'est ça, et c'est mes racines. Tout ce que j'ai appris vient de ces musiques-là. Donc. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup encore une fois de nous avoir accueillis. On vous souhaite toute la bonne chance dans votre carrière.